Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue pour cette nouvelle édition de Midi au Caire pour ce dimanche, le 1er septembre 2024. On commence notre sélection avec cette information. Le Premier ministre, Dr Mustapha Madbouly, a affirmé le support de l'Égypte à la Somalie et son intérêt à son unité lors d'une réunion hier avec son homologue somalien Hamza Abdi Barre au Caire. L'unité de la Somalie et le soutien à nos frères somaliens à ce stade est une des priorités de l'État égyptien et c'est ce qui s'est reflété par les visites de haut niveau lors de la dernière période. C'est ce qu'a déclaré Dr Madbouly dans un communiqué de presse publié par le Conseil des ministres. Le Premier ministre égyptien a confirmé que le Caire veut développer les relations économiques, commerciales et d'investissement avec Mogadiscio et qu'il est prêt à exporter tous les produits nécessaires. Il a salué l'ouverture d'une ligne aérienne directe entre le Caire et Mogadiscio et l'ouverture de l'ambassade d'Égypte à Mogadiscio au cours du mois d'août. Et à son tour, M. Barre a remercié l'Égypte pour le soutien qu'il apporte à la Somalie dans cette conjoncture délicate où certaines forces tentent de diviser la Somalie. Le Premier ministre somalien a souligné le grand rapprochement dans les relations entre les deux pays récemment et a indiqué qu'il aspire à une plus grande coopération dans divers domaines. Et pour plus d'explications sur ce sujet, mesdames et messieurs, nous avons l'honneur d'accueillir au bout du fil Son Excellence ambassadeur Metratin Meligi, ancien ministre adjoint des Affaires étrangères. Bonjour, Votre Excellence. Bonjour à vous. Alors, quand on parle des relations entre l'Égypte et la Somalie, on parle d'une longue histoire, n'est-ce pas? Exactement. Alors, comme on le sait tous, on l'a utilisé même dans les écoles, que les relations pharaoniques avec les pays pontes, comme on l'appelait à ce moment-là, c'est une histoire qui remonte au début de l'histoire humaine. Oui. Alors, ce qui se passe aujourd'hui entre l'Égypte et la Somalie n'est pas un événement d'aujourd'hui, mais Ça. c'est plutôt un développement d'une relation historique entre les deux pays qui monte, comme je viens de le dire, à des millénaires maintenant. Parfait. Quand on parle également à présent des crises de part et d'autre dans la région, on parle de ce support qu'apporte l'Égypte à la Somalie, un support stratégique et une alliance forte pour plus de développement dans les deux pays, n'est-ce pas? Exactement. Alors, l'Égypte, qui sait exactement l'importance de l'intégrité des pays africains et qui a assisté à plusieurs pays africains à regagner leur indépendance, leur intégrité depuis même la révolution de 1952 en Égypte. Alors, maintenant que la Somalie est menacée par une division à cause de groupes séparatistes, qui a la région séparatiste, disons, du Somaliland, qui n'est pas reconnue internationalement, et à qui il y a des pays qui essayent de provoquer et même approfondir la division somalienne avec des accords avec cet État séparatiste qui n'est reconnu par aucun pays du monde. Et malheureusement, les Éthiopiens ont choisi encore une fois, de travailler contre la loi internationale et de reconnaître l'indépendance du Somaliland pour des raisons qui ne sont cachées à personne, telles que la nécessité d'avoir un port et une base navale éthiopienne et avoir une bonne superficie sur au bord de la mer Rouge. Or, la mer Rouge est une responsabilité avec d'autres pays, certainement de l'Égypte, avec d'autres pays, de sécuriser la mer Rouge et de sécuriser tous les pays qui ont Riverains de la mer accès Rouge. à cette mer-là. Alors, Oui. cette déstabilisation menée par l'Éthiopie peut donner un danger à la région de la mer Rouge. Et c'est pour ça que l'Égypte trouve qu'il était très nécessaire d'aider le gouvernement officiel de Mogadiscio et d'essayer de l'aider
à travers, en le supportant, que ce soit d'une manière économique, politique ou même militaire, se basant sur la demande du gouvernement légitime officiel de la Somalie. Parfait, Votre Excellence. Je tiens à vous remercier énormément de vos explications. Merci à vous, ambassadeur Medhat Mili Guirancy, ministre adjoint des Affaires étrangères. Et nous enchaînons, chers téléspectateurs, avec cette information. Le Premier ministre, Dr Mostafa Madbouly, a tenu une réunion avec le ministre de la Culture, M. Ahmad Fouad Hanno. Le Premier ministre a examiné avec le ministre de la Culture la vision proposée afin de renforcer l'investissement culturel dans laquelle le Premier ministre a confirmé qu'elle vise à tirer parti des atouts culturels égyptiens afin d'aboutir à des retombées économiques et sociales qui se reflètent sur les efforts de développement durable. La vision définie par le ministère est conforme aux spécifications de la lettre du président Abdel Fattah el-Sissi, notamment le gouvernement actuel soulignant que le modèle idéal pour réaliser l'investissement culturel repose sur un partenariat efficace avec le secteur privé et la société civile selon les objectifs du développement des mécanismes de financement, de marketing et d'investissement culturel dans son sens global. Et le ministre des Affaires étrangères, Badr Abdelati, a salué le rôle important assumé actuellement par le Conseil des Affaires étrangères à la lumière du développement des défis qu'affronte l'Égypte en conséquence des crises régionales et internationales consécutives. Le ministre a tenu ses propos lors de sa réunion avec les membres du PDG du Conseil des Affaires étrangères, présidé par l'ambassadeur Mohamed Al-Orabi. L'entretien a porté sur des questions internationales et régionales d'intérêt commun. Dans ce même contexte, le chef de la diplomatie a salué le rôle du Conseil des Affaires étrangères, exprimant l'appréciation du ministère des Affaires étrangères pour sa collaboration distinguée avec le Conseil. Et le chef d'état-major des forces armées égyptiennes, le général de corps d'armée Ahmad Khalifa, est rentré au Caire samedi après une visite officielle au Qatar. Lors de cette visite, il a rencontré le ministre qatari de la Défense, Khaled Ben Mohammed Al-Atiya. La réunion a porté sur plusieurs questions d'intérêt commun. Khalifa a également rencontré le chef d'état-major des forces armées du Qatar, Salem Ben Aqil Al-Nabi, en marge de la deuxième réunion du comité militaire égypto-qatari visant à promouvoir la coopération militaire entre les deux pays. Ils ont visité l'académie de l'air Al-Zaïm Mohammed Ben Abdallah Al-Atiya et l'académie du service national où ils ont examiné les moyens de promouvoir la coopération militaire entre les deux pays. Et le canal de Suez, vieux d'un siècle, est aujourd'hui témoin d'une civilisation ancienne qui entame un nouveau chapitre dans son développement. Pour plus de détails, voici un commentaire de Marwa Arafa et Aïcha. Le canal de Suez est aujourd'hui et dorénavant une artère vitale pour le commerce mondial. Pendant les hautes saisons, environ 30% du trafic mondial de conteneurs et plus d'un million de barils de pétrole transitent quotidiennement par cette voie navigable. Le canal de Suez, vieux d'un siècle, est aujourd'hui témoin d'une civilisation ancienne qui entame un nouveau chapitre de son développement. Le canal de Suez est bien plus qu'une simple voie d'eau, c'est un axe vital pour le commerce mondial et la géopolitique. Situé en Égypte, ce corridor artificiel relie la mer Méditerranée à la mer Rouge, facilitant ainsi le passage entre l'Europe et l'Asie sans nécessiter un long détour autour de l'Afrique par le Cap de Bonne-Espérance. L'État a lancé une stratégie intégrée et globale dont les caractéristiques ont été définies avec le point de départ donné par le président Abdel Fattah el-Sissi en établissant une nouvelle voie de navigation pour le canal et en approfondissant la voie actuelle parallèlement au canal. C'est un projet de développement de l'ensemble de l'axe du canal de Suez et d'implantation de ports et de nombreuses zones industrielles.
Le projet a contribué à rehausser le statut du canal, le faisant passer d'un simple corridor commercial à un centre industriel et logistique mondial pour l'approvisionnement du transport et du commerce, en plus de mécaniser les services fournis aux compagnies maritimes. Il est désormais question de maximiser l'utilisation des actifs que possède le canal et d'introduire de nouveaux équipements qui suivent le développement du transport maritime et la tendance des arsenaux mondiaux à construire des navires de plus en plus géants. Et la mission archéologique égyptienne du Conseil suprême des antiquités a découvert 63 tombes en briques crues et plusieurs sépultures simples dans la nécropole de Tel Adir, dans la nouvelle ville de Damiette. Pour plus de détails, voici un commentaire. La mission archéologique égyptienne du Conseil suprême des antiquités a découvert 63 tombes en briques crues et plusieurs sépultures simples dans la nécropole de Tel Adir, dans la ville de la Nouvelle Damiette, a annoncé un communiqué du ministère du Tourisme. C'est une découverte très importante qui met en évidence l'importance historique de Damiette à travers les différentes époques, a déclaré Mohamed Ismail Khaled, secrétaire général du Conseil suprême des antiquités. Il a expliqué que le style architectural des tombes découvertes reflète des modèles connus de la basse époque de l'Égypte ancienne, ce qui suggère que cette découverte pourrait mener à une réévaluation de l'histoire de Damiette. Cette découverte comprend des feuilles d'or de la 26e dynastie de la basse époque et des pièces de bronze de l'époque ptolémaïque. Les fouilles ont également révélé de nombreux artefacts, notamment des amulettes funéraires, des figurines ouchéties et des récipients en poterie. Figure également une jarre en poterie contenant 38 pièces de monnaie en bronze de la période ptolémaïque et divers récipients en poterie importés et locaux, mettant en évidence les relations commerciales entre Damiette et les villes côtières de la Méditerranée. Ces découvertes indiquent le rôle central de Damiette dans le commerce historique. Et ceci conclut, chers téléspectateurs, notre édition d'aujourd'hui de Midi au Caire. Je vous remercie de votre attention et je vous donne demain rendez-vous avec une nouvelle équipe. Au revoir.